Arrêtez donc au moment où vous êtes sorti de votre cellule, que vous avez récupéré des uniformes de Stormtrooper et que, eh bien, deux de nos compères ont été menottés, grandes guillemets, surtout elles sont pas fermées, hein, avec un blaster. Oh, elles s'est détachée. Tiens. Et Jinx Class qui n'est pas attaché mais qui fait genre avec son troisième bras. Et sans jeu de mots, cochon. Non, t'inquiète, j'ai un cloaque moi. Prétentieux. Voilà. Vous avez donc récupéré les deux Stormtroopers que vous avez neutralisés. Sabam est déguisé en Stormtrooper. Et au moment où vous avez passé la porte, Rai, toi tu as croisé au loin, enfin tu n'as pas croisé son regard, mais tu as vu au loin quelqu'un que tu reconnais comme étant Bal, ton ancien coéquipier, ancien compagnon de combat pour le coup, que tu as vu vieillir avec toi progressivement et surtout là qui est extrêmement vieux, qui doit avoir 60 balais. C'est un clone pour le coup. Il est rasé de près. Il a une énorme balafre sur le visage. Alors c'est vrai que celle-là tu la reconnais pas, mais il a clairement une énorme brûlure, tu sais, sur le visage. Et c'est surtout qu'il est en train de parler avec d'autres officiers et Stormtroopers pour le coup, en train de clairement organiser quelque chose. Ils sont à plus de 300 mètres de toi, mais tu le reconnais malgré la distance, parce que tu saurais le reconnaître parmi des milliers. Après ce qui s'est passé lors de l'Ordre 66, et surtout, effectivement, le jour où tu as dû le neutraliser, que tu as dû neutraliser un de tes amis pour empêcher la destruction d'autres Jedi. Mais... On est en train de se diriger vers, on est en train de se diriger vers lui ou pas? Non, vous choisissez où vous vous dirigez pour le coup. Là, c'est open bar. Fais le tour, Sabam. Hein. Passe pas par ces chemins. Pourquoi? Ça marche. D'accord. Qui a dit pourquoi? Oui, c'est moi. Ouais. Ok. J'ai l'impression que d'avoir repéré quelqu'un. J'ai connaissance. Je voudrais même pas qu'ils le reconnaissent. Pour jouer le jeu, je les bouscule un peu. Hein. Allez, avance, alien. Jinx Class, il va pas très bien y arriver à jouer le jeu en vrai. Ça va juste se voir que c'est du fake, donc. On va faire. Vers où vous vous dirigez pour le coup? Le zap zap. On va avancer pour que ça commence à vibrer un peu plus. Alors. Quoi? Il parle de la clé. Oui. La boule du geisha. Alors, question coquine, où as-tu mis la clé? Dans ma poche. Bah évidemment. Oh. Quelle poche? La poche du prisonnier. J'en étais sûr. Oh là là, à l'aide. Et allez, il est disponible pour les bar mitzvahs. Ah, ça me fait penser que j'avais caché un stiletto là-bas. Moi je suis dispo, moi vite, c'est pas un problème. Moi je viens. Donc, je mange pas beaucoup et pas de viande en plus, donc tu vois, je coûte pas cher. Bah j'avoue. Pitié, arrêtez ça. Sinon les gars, vous savez où on a foutu votre matériel qu'on ait dû récupérer? Non, pas la moindre idée. Je vais y arriver. Pas la moindre idée. Ouais, la prison, ça m'a fait ça, moi aussi. Bah. Vu qu'on a déjà été sur ce genre de vaisseau, non. Normalement, ça, ce matériel-là, il est mis dans un entrepôt à côté de l'armurerie ou dans l'armurerie directement, non? Ouais, en fait, tu as même plus que ça, tu as un bureau des objets confisqués, tu sais, des preuves, etc. Oh. Et ça, généralement, c'est vraiment à l'entrée des services de sécurité, etc. Donc, dans des camtonnaux et autres, en fait, où il y a tous les équipements. Mmh. Ce qui est logique, hein, c'est les objets confisqués. Mais sinon, il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas, je sais pas, tu sais, genre une map, vous êtes ici. Ça doit exister des trucs comme ça sur un croiseur de cette taille, enfin pour alors, te repérer forcément, non? Non, non, pas exactement. Il y a des plus des traces au sol comme dans un aéroport. Ouais, et il y a aussi, tu sais, certains endroits, alors plus on va dire sur les portes. En gros, ça te dit, bah voilà, pour sortir, faut aller ici, etc. Sortie de secours ici, mais il n'y a pas vraiment de carte complète. Par contre, tu peux accéder à une carte à travers un terminal pour le coup. Voilà, parce que j'ai une idée via le terminal. Okay. J'aimerais trouver un terminal isolé, pas forcément maintenant, mais quand l'occasion se présentera, et faire des trucs dessus. Je garde la surprise. Dans les faits, si vous vous barrez de la position où vous êtes, donc là où il y a Bal qui est pas très loin, vous pouvez clairement aller trouver un terminal, j'allais dire un panneau, mais oui, c'est un panneau de commande, ça fonctionne aussi, pour tout simplement récupérer des informations générales sur le vaisseau. Oui, on va faire ça. Cool. On se barre de l'endroit où il y a Bal. Du coup, bah, toi, tu les pousses un peu en mode, vas-y, comme t'as dit, dégage, alien. Ah, non, pas taper, non. Ah. Viens me pousser, espèce de tambour, et je te ruine la gueule. je te ruine. Ouais, tu diras ça à tes compagnons de prison. Dit-il, on va entendre la prison. Il n'y a pas que ce bloc prison. Ouais, mais je me doute. Du coup, bah, tu commences à les bousculer, vous avancez dans le couloir. Vous voyez des Stormtroopers qui passent à côté de vous, qui font pas attention à vous. Hein, genre vraiment, ils font juste un signe, tu sais, ils te font un signe Sabam en mode, un signe de tête en mode bon courage, tu vois. Ouais. C'est rigolo, c'est qu'un signe de tête de bon courage d'un Stormtrooper, c'est juste un hochement de tête en fait. Bah exactement. Non mais ça c'est des codes, ils se comprennent entre Stormtroopers. Pas du tout. Vous arrivez pas très loin en fait d'un panneau de commande et tu vois que t'as un peu un croisement de Jinx Class. Il va falloir être quand même assez discret pour essayer de récolter des informations. C'est pas un hack compliqué, c'est juste être discret sur ce que tu vas faire. Donc au lieu de te demander un jet d'informatique, moi je vais juste te demander un jet de discrétion. Qui sera... J'aurais préféré l'informatique. Je sais, mais le truc c'est que tes alliés peuvent t'appuyer pour tout simplement te donner un dé supplémentaire. Ouais. Sur cette action pour faire... Mais devant lui en fait. Voilà c'est ça, en vrai oui. Ça. Du coup ça sera difficulté 2 seulement pour essayer de... je cherchais la discrétion. Difficulté 2 ? Difficulté 2, tout à fait. Ok. Oh. 3 succès. Pff, honnêtement. Du coup tu montes sur tes petites pattes et tu commences à pianoter frénétiquement. Non je me lève avec mes bras. Tu commences à pianoter, etc. Tu vois, tu récupères les plans, etc. Les plans sont incroyables. Ce vaisseau, même si c'est un croiseur assez classique, c'est une mine d'or d'informations. Et surtout, toi, tu dis putain, encore une fois, j'aimerais bien pouvoir récupérer un truc pareil. Bah, bien sûr. Mais le problème, c'est l'infrastructure et le nombre de personnes pour le piloter. Parce que c'est pas une personne qui pilote ça. C'est au moins 50, 60 personnes qui sont aux manœuvres juste pour faire bouger. Donc c'est un enfer. On a pas peur. Un croiseur pirate. Non, moi j'aimerais localiser nos armes. Parce que je peux pas faire une requête dans le système ou un truc comme ça. Ça de localiser genre l'endroit où il y a les objets confisqués, basiquement le bureau des objets. Tout à fait, il y a le bureau des objets trouvés. C'est ce que tu disais, je rebondis dessus. Si on trouve la clé là-bas, je me marre. Non, il y a le bureau des preuves, etc. Donc là, on va arriver dans le secteur du BSI pour le coup. Donc il va falloir faire attention parce que les accréditations seront un petit peu différentes. Du coup, nos armes, elles sont là-bas? Techniquement, oui. Je peux pas leur envoyer une requête pour qu'ils les emmènent ailleurs? Ah, si. Si, genre, tout à fait. Genre chez nous, tu vois. Genre qu'ils les stockent dans le vaisseau, ouais. Non, mais genre un endroit qui nous arrange, nous, tu vois, qu'on n'ait pas traversé le vaisseau, quoi. Tu leur envoyer un ordre fake, en fait, tu vois. Ouais, puis on leur donne un rendez-vous je sais pas où, puis SV, bing bam boum, on récupère nos armes et puis c'est marre, ouais, quoi. Je Alors, après, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais... L'armurerie, au pire. Si, c'est une excellente idée, vraiment. C'est une excellente idée. Ouais. Je suis partagé entre te faire un jet de commandement... En sachant que moi, je vais demander à mes potes qui ont visiblement été avec les clones et tout ça, comment on pourrait falsifier un code, hein, parce que moi, j'en ai pas trop d'idées, quoi. À la limite... Parce que moi, je sais comment hacker le système, mais pour les termes et tout, j'ai pas de notion, quoi. Au vu de la situation et au vu des connaissances de chacun, je dirais que Jia et Rai peuvent faire un jet de commandement pour t'appuyer, et c'est eux, en fait, qui vont faire le jet. Pour donner là en mode... Quoi ? Pas de soucis. Ouais, moi non, je fais pas trop commandement, moi. Ah oui, toi non, mais... Alors évidemment, pour brouiller les pistes, et parce que Jinx Class, il va demander à ce qu'ils emmènent plus d'armes que juste les nôtres. Oui, oui. Pour brouiller les pistes. Toutes les armes... Ah oui, pour eux, nous... Confisquées ces 2 derniers jours, par exemple, vu qu'on sait qu'il y a d'autres... Ouais, voilà, ouais, exactement. Oui, non, mais si, clairement. Toutes les armes, parce que pour enquête inquisitoriale, machin, mes couilles, tu vois, et... Puis voilà. Très bien. Donc du coup, je t'en prie. Jia, tu peux me... Allez, bébou! Allez, fais-moi rêver. Ta race maudite. Par contre, t'as un triomphe. Tu as un triomphe. Oui. Ah ouais. Un triomphe, c'est quand même une réussite critique. Ouais. Ta race boule, quoi. J'ai échoué, mais avec une réussite critique. Non, disons qu'en fait, c'est un avantage critique en fait. Faut plus le voir comme... Ouais. Alors les procédures impériales, tu les connais pas. Tu connais les anciennes procédures de la République. Alors ça, tu vas bidouiller quelque chose en espérant que ça fonctionne. Donc tu fais une requête, du coup tu envoies la requête au service concerné en mode nécessité de déplacer tel équipement à tel endroit. Toutes les armes confisquées depuis hier. Voilà. Et 2 jours ça me paraît beaucoup. 2 jours ça fait beaucoup effectivement. Et du coup bah en fait ouais t'as une réponse bien reçue, transfert en cours. Et il les emmène où parce que je m'en vais au vaisseau. Vous avez demandé au vaisseau. Ah notre vaisseau oui d'accord. C'est ce que vous avez demandé. Sauf oui, si vous voulez autre part. Attention. Ah bah c'est le mieux, s'ils peuvent le faire pour nous, c'est cool. Après c'est peut-être un peu trop grillé de l'envoyer directement sur le vaisseau, mais genre juste tu le demandes, genre transfert jusqu'à l'armurerie, on va le chercher à l'armurerie. Non mais même mieux, eh, on fait transfert jusque le pont où est notre vaisseau. Ah oui, vous pouvez les mettre sur le pont, bien sûr. Comme ça, juste ils y stockent et ça passe, tu vois, à côté du vaisseau. Ouais, dis-leur de les mettre à côté du vaisseau qui est lui-même une pièce à conviction. Pour tri et futur chargement. Ouais, voilà, pour vérification et chargement. Comme ça, nous, on a juste besoin de mettre les caisses en lévitation, les monter et se barrer. Voilà. Donc oui, ça, c'est bien. Et ce sera notre travail de forçat de prisonnier. Ça veut quand même dire qu'on n'aura pas nos armes si on doit sortir de force, mais on pourra en trouver d'autres. On est sur le point de... C'est pas ce qui manque, en théorie. Oui, je pense que, voilà. Et... Ouais. C'est un peu les USA, quoi. Du pire, c'est... Dans le cas de danger mortel, on est quand même armé. Oui, oui. Puis on fait tout péter. Oui, et puis on a 2 sabres laser. Alors, oui, pas plus loin qu'ici. Alors, du coup, la requête est partie. Vous avez la réponse de bien reçu, transfert en cours. Jinx Class. Oui. Toi, ça, regardez où être Comment ça s'appelle? Le pont du rayon tracteur, la base du rayon. L'ordinateur. Oui, la salle de. Le rayon tracteur. Le générateur du rayon tracteur... Alors du coup, je vais... Oui, tu regardes... bah, en vrai, tu fais mieux que ça, Jinx Class. Ça, c'est un truc... C'est considérer que quand vous accédez à un terminal de commande, vous téléchargez le plan, généralement, que vous avez sur votre bracelet en datapad. J'espère que c'est un PDF à l'échelle. Hein, parce que... C'est un PDF à l'échelle, évidemment, qui est énorme. Merci. C'est du format A-8. Oh putain, ça en fait des plans. Oh mon dieu, je suis noyé dedans. Vis ma vie au boulot, quoi. En fait, c'est bien, par contre. C'est Picsou, version plan. Arrête, non mais attends, ça m'est arrivé une fois au taf, on a un service dépouillement, tu vois. Il me sort un plan, il dit, bon, je l'ai pas fait trop gros, il faisait 2,50 m de long. Ah, comment je le tiens? Comment on fait? Wow. Voilà, bref, pardon. Génial. Du coup, non, vous avez le plan sur votre datapad, donc vous avez le plan du croiseur, en entier. Vous avez... tous les baraquements, toutes les zones de prison, vous avez les quartiers spécifiques, les quartiers VIP, la passerelle, les générateurs, les communications... C'est rigolo ça. Parce que je peux pas... Les brouilleurs. Est-ce que je... Voilà, est-ce que j'ai accès à... Est-ce que je peux agir là-dessus, moi? Ou est-ce que je sais juste où c'est? Non, c'est juste que tu sais où c'est. Je peux pas pirater en rebootant des fils, des trucs comme ça? Alors non, parce qu'en gros, pour t'expliquer un peu Jinx Class, c'est un petit peu compliqué parce que souvent, chaque secteur est spécifique. C'est-à-dire que tu peux pas accéder... je sais pas, tu veux aller aux communications, va falloir aller dans un ordinateur des communications pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ouais, on ne peut pas accéder à littéralement l'entièreté du vaisseau depuis un terminal au pif random. Non, sauf nul. Sauf de la passerelle. Oui, la passerelle, ouais. Bah, c'est la conva, du coup. Basiquement, c'est quand même un petit circuit fermé. Tout à fait. Mais la passerelle, par contre, permet d'accéder à tout le reste, ce qui est normal. Bah, avec ça, déjà, on peut se faire un plan, donc on va suivre la clé, et comme ça, on aura de quoi avancer vers là où on veut. Donc, c'est parfait. Du coup... Go to le tube de geisha. Quoi? Le tube de geisha? Ouais, la clé qui vibre. On va chercher la clé, effectivement. On va se diriger avec la vibration pour voir à quel moment on approche ou pas. Mais en même temps, je vais me concentrer sur la présence que j'avais sentie tout à l'heure parce que à tous les coups, la clé est avec cette présence. Ok, tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Si on peut éviter, c'est bien aussi. Un petit jet de perception. Cet avantage de sérieux. Hey. Peut-être pour te donner un bonus. Tu peux avoir, au lieu d'avoir 2 échecs, tu peux juste ne pas avoir de réussite. 2 échecs, ça peut se transformer en une réussite du coup, parce que si t'as un échec, oui, ça fait une réussite. T'as une réussite, donc je peux compenser ça et m'en sortir avec juste un jet réussi, quand même un avantage. Avec un petit avantage, ouais. Tout à fait. Tu sens que la présence, pour le coup, elle est là, hein. Elle est diffuse dans tout le vaisseau. Oh. Je vais changer de musique. Oh. Je vais essayer de me rapprocher vaguement de la présence pour voir si la clé réagit. La présence est très loin et en fait quand tu commences à te concentrer, tu la sens mais elle est ténue, elle t'appelle d'une certaine manière et cet appel est à la fois agréable, apaisant mais il est froid aussi. Tu n'as qu'une envie, c'est d'aller voir. Oh bah ça va, Red. Si j'approche dans sa direction, est-ce que la clé réagit? Oui, plus ou moins. Pas exactement. En fait, tu te rends compte que la vibration n'émane pas vraiment de la direction de cette présence, mais plutôt autre part. Elle réagit. Attention, elle réagit, mais elle réagit pas aussi fort que si tu pointais vraiment vers le haut. Ok, donc il faudrait passer à l'étage du dessus. Ouais. On va donc se trouver un ascenseur, parce que dans Star Wars, les escaliers, ça n'existe pas. Tout à fait, vous allez prendre un turbo-élévateur. Mais parce que juste un ascenseur, ça suffit pas, il faut turbo 2. Oui. S'il n'y a pas d'ascenseur, tu rentres plus chez toi. C'est ça. Oh non, mais clairement, clairement. Alors, le truc, en fait, c'est que... La résonance, etc., elle est très faible, mais quand tu commences à la pointer vers le haut, tu sens que ça t'attire à plusieurs étages et pas un seul. En fait, il suffit juste de réfléchir. Où est-ce qu'une clé pareille pourrait se retrouver dans un endroit comme ça? Dans ton cul. Bureau, dans un bureau d'un officier, peut-être. On va tout en haut. En presse-papier. Ce serait trop drôle. Mec, il sait pas ce que c'est. Il a le truc haut. Ah, ça c'est le presse-papier. Tu sais, il y a 2 tiges avec un boulier là qui tape, c'est l'une des tiges du boulier. Est-ce que la présence que je sentais était au même étage que nous? Non. Non plus, en haut aussi? Elle est plus haut. Ok, donc on va prendre l'ascenseur, le turbo-élévateur, pour monter tout en haut. Ok, vous allez jusqu'à la passerelle du coup? C'est le plus haut point, hein, c'est la passerelle. La passerelle, c'est pas là où il y a genre tout? Les officiers qui pilotent la passerelle. What the fuck? Ah mais je pose la question, hein, parce que... Ah non, what the fuck, non, on va pas jusqu'à la passerelle, what the fuck. Bah non. On va s'arrêter juste avant la passerelle. C'est l'endroit où il y a genre littéralement tous les pilotes en fait. C'est-à-dire que là, des prisonniers et un Stormtrooper sur une passerelle... Ouais, on est pas censé y aller quoi. C'est ça. C'est pas là que tu vas en fait si t'es prisonnier. Donc, du coup, en cellule. La clé pourrait éventuellement se trouver dans les appartements de quelqu'un qui sait ce que c'est potentiellement. Genre, les gros cons quoi, ils arrivent, vous faites quoi? Je ramène les prisonniers. Mais vous êtes débiles ou quoi? Le pilotage, c'est la cabine de pilotage. Je sais pas, j'ai reçu un ordre. Je suis spécial. Bah putain. Je fais partie des mauvais clones, ceux qui ont été clonés dans les toutes dernières générations quand il n'y avait plus de Camillien et... Je suis un peu con, vous comprenez. C'est un air de déjà vu tout ça. Camillien, il dit que je suis spécial. Ouais, c'est spécial. Du coup, non, en fait, on va dire l'avant-dernier étage, c'est plus le quartier des officiers, effectivement, comme disait Ryder. Ce quartier qui est quand même plutôt grand, hein, parce que pour le coup, ça s'étend sur plusieurs blocs. Le problème, c'est que, ouais, vous allez pouvoir sortir. Par contre, vous pourrez passer dans aucune porte. Vous n'avez pas les cylindres codes. Il va falloir assommer des officiers, etc. Oui. Et vous avez un Jinx Class. À quoi servent les clés quand on a un Jinx Class? En vrai, si tu peux prendre le comment ça s'appelle? Ah, une tenue d'officier. Sabam, tu peux peut-être te faire passer pour un officier. Ouais, grave. Alors, je renvoie des ordres pour annoncer ta venue et tout. Comme ça, vous montez dans le turbo-élévateur? Oh oui. Turbo-élévateur, putain. Turbo-élévateur, what the fuck. On va turbo-monter à l'étage, ouais. Ça va, t'appuies sur le bouton, vous commencez à monter sur plusieurs étages. Alors c'est extrêmement rapide. Hein. Il y a des roquettes, les coins, ça... Hein? Il y a des roquettes qui passent partout dans Space Force Voyage. Je te jure. Je te jure, ah putain. Et vous arrivez au bout de quelques secondes à monter au quartier des officiers. Le quartier des officiers, pour le coup, est très bien décoré. Vous avez une belle tapisserie au sol, etc. Vous avez des décorations, vous avez plein de sculptures impériales, pour le coup, à la gloire de l'empereur, bien évidemment, et à d'autres états, on va dire, d'autres prises de guerre, etc. Et par contre, bah, y a une réception, pour le coup. Et vous voyez qu'il y a une réception. Non, mais sérieusement, il y a un secrétaire qui est en train d'attendre, pour le coup. Qui est en train de pianoter derrière son truc. Il est accompagné de deux autres personnes qui sont en train de bosser, donc à côté. Je baisse la tête. La porte s'ouvre, vous êtes face à ça. Sabam, tu es derrière les prisonniers avec ton blaster. Ou devant, en fonction. Comme tu peux faire. Oh. On va se faire griller instantanément. Non mais là ça pue hein. Là... Non. Il faut les neutraliser. Hein. Mais dis-moi, on peut pas parler, enfin, faut pas qu'on dise ça à voix haute parce que bon... Les faire avancer toujours vers le bureau. Ouais, bah, alors c'est une réception assez simple, c'est-à-dire que tu sais, si vous vous souvenez dans les films, en fait les panneaux de commande sont assez hauts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège forcément, mais vous avez 5-6 panneaux de commande autour de chaque personne et qui sont en train de pianoter. Donc si j'ai bien compris, c'est une personne qui est sur un terminal et deux autres personnes qui sont là pour accompagner. Ouais, qui sont en train de bosser à côté, quoi, tu vois, ils sont en train de bosser sur des datapads, des machins, rien de méchant, quoi. Eh bah... Gare. J'amène les prisonniers pour l'officier Dentley. Du coup, tu vois... C'est Dentley, what the fuck. Le secrétaire te regarde. Ou d'impro. Il regarde de haut en bas. Les prisonniers pour l'officier Dentley. Putain, tu nous as pas prévenu non plus. Je me rapproche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Enfin, ça fait la troisième fois qu'on me dit que... Et puis vos collègues, ils ont eu besoin de double vérifier aussi. Et putain, regardez là. Je lui mets la main sur l'épaule et je l'électrocute. Hop là. What? Ok. Bah j'ai d'attaque, je t'en supplie. Vas-y. Les autres... Bah, Rai, on va tabasser les deux autres. Ouais, hein. Qu'est-ce que vous faites? Attention, c'est tabasser les deux autres. Bah oui, basiquement oui. Moi je mets des... Je mets des patates avec mes bras robots. 6 succès! Mais oh, tu le neutralises. Est-ce que j'en neutralise un deuxième ou pas? Non, non, un seul, parce que c'est... Le machin, il se transforme en toast. C'est passé en éclair de force, ton truc. Aucune limite à mon pouvoir. C'est ça, ouais. C'est bon, j'ai réussi aussi. C'est moi l'empereur, en fait. Bah, vous allez me décrire vos scènes, en fait, hein, clairement. Moi, je vais en faire, du coup. Ouais, bien sûr. Toi aussi, tu vas attaquer. Depuis le combien? 2. 1, parce que c'est au cac. Vous avez fait la difficulté 2, les autres? Oui. Bon, en fait, moi j'ai rien lancé encore. 2 succès, 1 avantage. Alors, quoi qu'il faut lancer? Tu veux attaquer aussi? Ah bah moi j'ai dit oui, je mets des grosses mandales avec mes bras robots. Ouais. Il va les foutre, ils sont au sol, il va les taper. Bah non, mais s'ils sont au sol, je vais pas m'acharner dessus, mais c'est au cas où quoi. Clairement, les 3, il y en a 3 à neutraliser et les 3 autres ont sauté dessus, mais tu peux accompagner. Oh bah c'est bon alors, non mais j'espère. Ce que je veux dire, c'est que tu peux aider les copains sur un jet, donc ça leur donnera une réussite supplémentaire en vrai, dans l'action. Alors du coup, moi je veux juste que vous m'expliquiez ce que vous allez faire. Bah moi de mon côté, au moment où Sabam il a mis sa main sur l'autre, vu qu'ils sont avec leur datapad et tout, donc ils ont la tête un peu baissée, je vais mettre les menottes autour de leur cou et je vais la taper contre le panneau de commande. Donc c'est instant, hein, t'entends le panneau de commande qui se brise sur sa tête, ouais c'est POUC. Tu vois que ça fait des étincelles. Ryder, qu'est-ce que tu fais toi pour le coup? Moi ce que je fais c'est que je me libère d'une des menottes et genre je chope le visage des mecs et je l'éclate contre le mur. Ça fait une petite trace de sang avec la tête qui fait... Ouais, juste pour le saluer. Il a une dent qui reste plantée dans le mur. Je vais pas lui briser le crâne, non, juste pour le sonner. Non, tu les neutralises pour le neutraliser. Et Sabam, du coup, toi, à ce moment-là, donc tu t'es approché et tu l'as électrocuté en l'attrapant, quoi. Ouais, je vais vraiment juste poser la main sur l'épaule et j'ai utilisé mon gant électrique. Donc tu lui fais une sacrée décharge, donc tu vois qu'il est scotché. Et puis il tombe au sol. Vous avez neutralisé 3 personnes. La main qui tue. Et là, du coup, je me retourne vers Jinx Class et je te fais... Tissa, fais reset avec Missa devant la caméra. Ouais. Oui, je vais aller hacker la caméra. Parce qu'il y a sûrement une caméra. De toute façon, moi, mon prochain move, c'était d'aller sur les panneaux de contrôle. Hein, donc... Bah, tu penses que tu peux diriger les caméras avec les panneaux de contrôle qui sont ici, peut-être. Après, avec un peu de chance, les caméras, elles sont beaucoup contrôlées ici, dans cet étage-là. Une classe, tu commences à te diriger vers un des panneaux de contrôle, tu vois qu'il y en a un qui fume. Mais ça serait pas comment que ce soit ouais, de d'ici que les caméras sont vues, parce que genre les quartiers officiers vont pas être surveillés par des mecs random. Non mais les couloirs par contre, pas à l'intérieur des quartiers, mais je pense que les couloirs oui. Bon. Attends, je vais essayer de contrôler les caméras, d'une manière ou d'une autre. Soit j'ai un panneau de contrôle, soit via les tableaux là sur lesquels ils bossaient. Du coup, moi j'ai récupéré les cylindres des gars, et j'imagine qu'ils avaient bien des blasters sur eux. Oh, c'est juste des secrétaires en vrai. Ils avaient des blasters, effectivement. Non, ils avaient des blasters. Le truc d'une classe, c'est que au moment où tu commences à te diriger vers le panneau, t'entends, tu sais, une communication entrante. Hein. Ça fait. Est-ce que tu réponds? Mais enfin, me voir si je réponds. Non, on voit pas. Non, c'est juste t'appuies sur le bouton et tu parles. Ah oui, je prends l'appel. Qu'est-ce qui se passe à votre étage? Visiblement, vous avez une avarie. Il y a un problème. Savoir un réacteur qui fuit. Je déconne. C'est mon collègue qui a renversé un peu de son Space Café. Oh putain. Ouais, en vrai, je dis pas Space Café, évidemment, c'est juste que je sais pas dans Star Wars ce qu'on boit, quoi. Alors, donc, j'en sais rien. Space Mocha. Ça s'appelle un Simcaf, pour le coup. Un Simcaf, d'accord. C'est simplement mon collègue qui a renversé un petit peu de Simcaf, y a rien de s'inquiéter, tout va bien, tout est sous contrôle. Ouais, désolé, c'est vraiment de ma faute, il m'a échappé des mains et ma commande est... C'est le bordel. Je t'avais déjà dit de pas en avoir sur le tableau de bord. Oui, chef, mais j'essaye. J'utilise un point du côté obscur. Quel gros schlag, pardon. Attendez, on va quand même envoyer une patrouille au cas où. Non. Pour quoi faire, c'est qu'un café, chef. C'est vraiment pas nécessaire, vous savez. C'est que du Simcafé. Du Simcaf. Donnez-vous votre identification. Je regarde immédiatement s'ils avaient un badge, tu sais, sur eux, c'est comme, je sais pas, c'est genre Timothée, c'est genre Timothée ici pour vous servir, tu vois, truc comme ça, tu vois, gloire à l'empereur, enfin, tu vois quoi. Est-ce qu'il y a un autre Simcaf? Oui, il y en a un autre. Ah merde, alors, je vais Oh non! Je vais retrouver comment? Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as, espèce de demeuré? Mais non! Et puis tu sais, je coupe la communication en plein milieu d'une phrase, tu vois. Bon, on n'a pas beaucoup de temps qui débarque avec. Go! Nous à courir! On se dépêche, on se dépêche! Bon, nique les menottes, hein, de toute façon. Du coup, vous commencez à voir un petit peu les alarmes qui commencent à s'activer, ça fait un. Oh, Sabam! Merde! Sabam! Alors déjà les alarmes, qu'ils envoient une patrouille avec les mecs qui disent non mais attends, tu renverses un sim. Mince, on n'entend plus Reloc. Ah, j'entends plus personne. C'est passé. Ah, vont nous courser. Nous entendons. Sabam, toi ça, donnez à Missa Filin. Je vais installer un filin au niveau de la vente des au niveau des jambes, pour qu'ils se pètent la gueule quand ils sortent du turbo-élévateur. Tu peux installer, du coup bah, c'est juste que vous commencez à avoir les alarmes, etc. Ce qui est normal, dans une procédure où ils commencent à se poser des questions. Il y a deux cons qui ont répondu au com et qui ont dit n'importe quoi. C'était trop beau en même temps. Oui, attends, en vrai c'est génial. Attends, c'est bon. En vrai c'est génial. Bon, bah, du coup, pas le temps, on se casse, on va vite fait chercher la non, moi je pianote et j'essaie d'arrêter l'alarme. Tu sais, je suis un peu comme le gif du chat là, tu sais. Ah mais je pense que là, c'est un peu trop tard là pour l'arrêter. Essaye d'ouvrir les portes. Tu commences à pianoter et tu vois que ça t'éjecte en fait des commandes. Que dalle. Les portes, vous avez les cylindres codes des personnes, vous pouvez les mettre et tourner. Ouais. Vous notez, petite information, vous récupérez 3 pistolets blaster. Cool, j'en prends 3. J'ai ça le bras, hein, il faut que je les occupe. Prends-en toi, Rai, je te donne le. Ah, je te donne le fusil blaster. En fait, j'ai plus besoin de faire semblant, donc il y a un fusil blaster pour qui veut. Moi. Tiens. Non mais tu vas prendre 3 blasters plus un fusil blaster. Bah si. T'as 3 bras plus... j'ai 5 bras en tout. Ah, oui, vas-y. Après, c'est juste, Jinx Class, tu seras pas précis, mais tu vas être une force de frappe. Hein. Non mais après, j'ai ça pour le LOL, si les gens veulent des blasters, ils prennent des blasters. Mais moi, c'est pour ça que je prends pas de blaster, de toute façon, je vais porter Jinx Class, c'est mon arme. Si personne n'en veut, moi je fais la tourelle, franchement, rien de... De toute façon, un des blasters parce que c'est. Tiens, je lui donne le plus petit. Je te donne le mien. Non, je donne le mien à Rai. Et toi, du coup, tu prends celui de Sabam et les 3 autres. Donc, Rai, tu as un petit blaster E11. Hein, c'est un blaster de Stormtrooper. Je sais qu'il faut pas utiliser le mode automatique parce que c'est de la merde. Ouais, tout à fait. Par contre, il y a un viseur dessus. C'est un viseur dessus. Hein. L'autre truc, c'est que bah, du coup, Jinx Class et Jia, vous avez récupéré 3 pistolets blaster. Vous les répartissez comme vous voulez. Ce sont des blasters de ce qu'on appelle de scout, donc c'est un peu du blaster d'appoint. Ça permet de... Bon, ça neutralisera quelqu'un. Sur chacune de vos armes, vous avez... Ils vendent des cookies, le blaster? Oui, parce que c'est un scout. Ouais, c'est les petits blasters. Mais est-ce qu'il est débridé, le blaster de scout? Ah, oh là là. Par contre, vous avez un mode dessus qui est un mode paralysant. Ça peut servir. Hydra. Ouais. Bah, pour qu'on va les paralyser. On n'est pas là pour paralyser. Il y a un mode qui paralyse temporairement et un mode qui paralyse pour toujours. Oui, voilà, non, quoi. Mais je précise. On va paralyser pour toujours. Alors, vous avez aussi les cylindres codes. Donc là, clairement, vous êtes dans le truc des officiers. Il y a le mess, etc. Donc, bah, vous entendez déjà les alarmes hein, qui retentissent de partout. Vous savez qu'il faut pas traîner là, qu'il faut vite vous casser. Ouais. Vers où vous dirigez? Surtout, on récupère la clé. D'abord, on récupère la clé, on se casse après. Déjà fait. Pas où est la clé. C'est le problème. Effectivement, la vibration, elle est puissante, ça va. Elle est puissante dans le coin, mais... Allez, c'est vraiment su en fait. Comment ça? Bah, c'est peut-être à l'étage au-dessus. C'est ce que tu te doutes, ouais. Oh non. Ouais, je me doute un peu. Par contre... Il n'y a pas de turbo-échelle. Par contre, la présence... Ici ou au-dessus? Elle est au-dessus. Faut qu'elle est dans la passerelle. C'est fois qu'on peut pas aller dans la passerelle, c'est un suicide. Bah, alors, parce qu'il y a un paquet de gardes et des pilotes et genre littéralement tous les officiers du monde. C'est pas grave, on dit qu'on est en train de mater une rébellion parmi les troopers et puis c'est bon. Quoi? Je vais chercher des escaliers de maintenance. pour monter à l'étage au-dessus. Ouais, il y en a, il y a même, tu sais, des conduites. Hein. Vous pouvez passer par les conduites. Hein. Bah, le genre d'endroit dans lequel les troopers vont peu probablement aller en premier. Ouais. Alors, vous pouvez en trouver une assez facilement. Pour le coup, il va falloir quand même rentrer un petit peu dans le passage. Et vous allez devoir tirer dans certaines conduites, en fait, pour les ouvrir. Qu'est-ce que vous faites ? On passera. Si ça implique de tirer, je tire. Il va falloir se faxer, hein, par contre. Surtout, Jia et Rai, vous êtes grands. Hein. Donc, ah oui, clairement... Vous allez plus que vous faxer, les gars. Hein. Et bah on va tenter. Non mais ça passera, mais vous allez être en mode putain. Si Rai passe, tout le monde passe. Oui, totalement. Qui passe en premier? Alors du coup vous trouvez un panneau de commande. Je passerai en dernier. Clairement vous avez besoin de l'arracher, donc je vous fais pas faire de jet, mais vous pouvez tirer dessus. Soit l'arracher, soit tirer dessus vraiment et ça le dégonde. On va l'arracher. Vas-y. On n'a pas le temps. Jia, tu l'arraches, hein, tu t'en fous. Tu tires dessus et vous avez une petite conduite. Alors la conduite, elle permettra effectivement de passer, mais il faudra s'accomplir un petit peu. Passez, je passerai en dernier. Qui passe en premier? Bah, moi je peux y aller si vous voulez, je suis tout petit. Oh oui, c'est vrai que... Ouais, d'abord le petit. En termes de taille, on passe... J'avance sur ma jambe par ordre, ouais. De plus petit à plus grand en fait. Ok. Donc une classe, Sabam, moi... Ah, je suis le Joe Dalton, trop bien. Ça te va bien, en vrai ça te va nickel. Bien. Nickel. Ça veut dire que c'est moi Avril. Désolé. T'es un Avril badass. Désolé, pas désolé. Du coup, Jinx Class, tu vas commencer à progresser dans ces conduites. Alors pour toi, c'est tranquille. Hein. Je suis debout quoi. Ouais, t'es tranquille, tu passes quelques câbles et tout. Et tu vois les autres qui sont en train de galérer, en train de se faxer. Spacieux ce couloir. Je me moque. Hein. Oh, je me moque honteusement, vraiment. Moi je rampe. Je les taunte. Hein. À un détour d'un des couloirs, tu commences à entendre un bruit pour le coup. T'entends un... C'est quoi? Sors ton blaster. C'est un droïde. Mes blasters. Ça va être... Je pointe 4 blasters devant moi. Ok, c'est va être initiative. Ok. C'est comment on fait initiative? Alors... Bah... Parce à chaque fois on a fait les combats en mode PBTA, mais... Baisse initiative. Normalement... Non, je crois qu'on en a fait une pour le combat contre la créature dans le... Ah oui, possible. J'ai poule. Poule. Un jet de... Soit de sang-froid, soit de... Ah oui, pardon. Vigilance, perception. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc c'est bien de reprendre ça. Alors, attendez... Évitez de tirer, on doit pas se faire repérer, on est dans les murs là. On est dans les murs. Oui, c'est lié à votre niveau de cool normalement. Ok, donc sans froid. Sans froid, tout à fait. J'étais persuadé que c'était agilité. C'est quoi, on fait un jet? Je lance le truc. Jet sans froid, ouais, tout à fait. Enfin, ça va être votre score plutôt, ça sera plus simple. C'est quoi sans froid en fait? J'ai raté. Comment ça? Non, vous prenez votre score de cool, pour le coup. Vous faites un jet de cool, en fait. Ouais. C'est quoi le jet de cool? Bah, c'est quoi, la compétence sans froid. Sans froid, sans froid. Ah, ok, c'est là, oui. C'est ce que je viens de faire, du coup. Froid, ouais. Oh là là, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Mais attends, parce qu'il y a une alternative, c'est soit de sans froid, soit... Je vais le trouver... Moi, ça me va, sans froid. C'est vigilance dans le cas où c'est un attaque surprise. Ah, d'accord. Oh là, je suis là. Ouais, c'est le petit problème. Ah bah du coup, sans froid, sans froid. Alors, aïe, 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 aïe. Oh, c'est juste pour déterminer les tours de jeu, donc vous inquiétez pas. Ouais, bleu. Donc en fait, ça va être Jia, mais qui est positionné assez loin. Tu auras quand même l'initiative. Et ça sera du coup le droïde. Donc c'est pas un gros droïde sonde comme on les connaît dans l'épisode 5. C'est un droïde, un petit droïde sonde de conduite pour le coup. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins puissant. Par contre, c'est létal, hein, ça fait mal. Ouais, c'est l'espèce de petite merde là qu'on voit dans Battlefront. Exactement, exactement. Du coup, Jia, c'est toi qui as l'initiative. Tu entends le bruit. T'as Jinx Class qui est un peu, tu sais, qui a sorti ses blasters, qui est préparé. Tu peux quand même te positionner, alors te faxer, essayer de placer un tir si tu veux. Hein. Tu vas tous les bouger. Hein. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas d'arme de tir. La seule chose que j'ai à la limite... Non, La seule chose que j'ai à la limite, c'est mon harpon de poignet. Bah tu peux tenter. En vrai, tu peux tenter un tir. Hein. En vrai, ça serait plus discret. Ramène-le, on le désingue à main nue. Hein. Bah c'est ça. Donc je peux tenter avec. Ça. Vraiment, si on tire, on n'est pas loin de la passerelle. Là. Si on tire, ça se trouve, ça alerter littéralement tout ce qu'il y a en haut. Rappel, harpoon launcher, c'est un truc qui est sur mon bras robot. Ouais. Tu peux faire un jet avec ça. Bien sûr. Je te demanderai. Alors c'est difficulté 2 au vu de la distance. Ok. Faut éviter de harponner Jinx Class. J'avoue que. Pas peur, pas peur. Div 2 du coup, c'est parti. Ça se trouve, il aime bien se faire harponner, hein, je sais pas. Hein. Oh oui. Je sais pas, je sais pas. Allez, bébou. Bébou, bébou. 2 succès. Tu viens de faire 5 points de dégâts. Donc en fait, quand tu commences à tirer, bah en fait, tu l'attrapes, hein, donc tu lui fais 5 points de dégâts, donc t'entends vraiment, tu vois. À la pointe, elle transperce dedans. Ouais, ça le transperce de part en part et ça commence à l'attirer vers toi. À ce moment-là, eh ben, c'est à son tour quand même. Donc tu vois qu'elle est en train de se débattre, etc. Et elle tire dans tous les sens. Étant donné qu'elle est... tu vois qu'il y a un premier tir qui part, etc. Alors, malheureusement, vous êtes quand même dans une conduite et... Oui. Ah, je suis devant par contre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, t'es devant. Mais c'est juste que c'est du plast et autres, ça rebondit. Donc vous voyez le tir de blaster qui rebondit un peu dans tous les sens. Du coup, je vais vous demander de me faire un petit jet d'esquive. Un jet de quoi, s'il vous plaît? De tortillage. On peut pas esquiver de la lumière. C'est pas de la lumière. C'est pas de la lumière. Bah, c'est un laser. Hein. Ce que tu dois demander. Les lasers de savoir, c'est pas vraiment. Bah, un laser, c'est vitesse de la lumière, non? Non, parce qu'en fait, les lasers de savoir, c'est pas vraiment des lasers, c'est du gaz. Du gaz surchauffé. Oui. Ouais, en fait, c'est les turbolasers qui vont à la vitesse de la lumière, pas les autres. What? Non. Ok, non, en fait, c'est. J'ai un problème avec ma physique, mais. C'est du gaz qui est propulsé à très haute vitesse, en fait. Oui, c'est pas exactement du laser. C'est pas vraiment du laser. C'est un peu de laser parce que c'est rouge et ça fait du bruit, c'est lumineux. Du gaz. En gros, c'est du gaz surchauffé et. Oui, mais normalement, ça fait. Oui, mais non. Je dis, il a un insecticide, le garçon. C'est scientifique. On ne parle pas de la physique ni quoi que ce soit dans Star Wars. Laisse-toi porter. Quelqu'un a retrouvé son esquive parce que moi je l'ai paumé. Athlétisme. Du coup, oui, c'est athlétisme. Ah, d'accord. Moi je cherchais. Athlétisme, ça c'est bon. Regarde comme je suis hyper athlétique. Voilà. Ah bah. Tout dans le. Oh putain, j'y attends pas que le mec il dodge tout le monde. Je roule à travers la conduite. Ça va, c'est un échec. Rai, c'est une réussite, 4 réussites. Non mais les gars, vous faites des jets de port par contre, les deux. Bah t'as dit, je sais un peu mon domaine quoi. Alors vous prenez Sabam et Jinx Class, vous prenez 2 points de dégâts. Par contre, vous avez une armure, hein, pour info, donc vous encaissez les dégâts. C'est-à-dire que ça ne vous fait rien. J'ai une armure moi. Bien sûr. Ah oui. Ah, oui. Ah bon, j'ai des vêtements. Je suis pas tout nu. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pensais que j'étais à Wall, hein, tu sais. Oh le ah oui. Du coup, vous ne prenez pas de points de dégâts, mais ça vous a chauffé les fesses. On va pas se mentir, heureusement que vous êtes quand même assez doué. Après, c'est du gaz, hein, ça dépend ce que c'est comme gaz. Ils ont esquivé. Comment on a esquivé? Bah, tu t'es au sol, hein, tu t'es caché en mode non, non, non. Mais on est au sol. Le blaster qui est passé, t'as rentré le ventre. C'est ça, t'es devenu filiforme. C'est ça la menace que j'ai eue. Je me suis mis au sol, là, je suis rampé au sol, je vais juste baisser la tête. Vous savez ce que vous êtes devenus, les gars? Vous êtes devenus des Game & Watch. C'est quoi? Ah oui. T'es tout plat. En fait, on est devenu en 2D en fait. Exactement. Ça. Du coup, non, vous avez esquivé le tir. C'est au tour de Sabam pour le coup. Je chope ce truc. Le truc est près de nous. Ah bah oui, maintenant, bah, étant donné que Jia il l'a tiré, donc tu peux lui mettre un coup. Ouais. Difficulté 2, moins, un, plus. 1, c'est du corps à corps. Corps à corps, c'est 1. En fait, c'est juste du blindage, hein. Ça a pas de défense, un droïde. 5. Tu tapes avec quoi? Ma vibrolame. Ta vibrolame? Mais ah oui. Bah... On va aller trouver la vibroclé. Tu fais 5 points de dégâts supplémentaires, donc tu lui as bien entaillé. Tu vois qu'en fait, il commence à se désactiver, il fait... Et il tombe au sol. Vous avez eu chaud au cul. Je suis un peu déçu. Vous pouvez tirer avec le blaster en même temps. Oui. Allez, je t'autorise à ce que tu puisses tirer dessus pour l'achever définitivement. Non, on a fait exprès qu'il tire pas. Il est déjà pété de façon. Après, c'est du gaz, donc ça va pas faire grand chose. Ok, bah je tire feu. Mais non. Bon, aussi. Te laisse pas avoir par le MJ. Le blaster, c'est arme lourde ou légère? C'est arme... Légère. Là, on est sur une arme légère. T'as pas de jet à faire hein, si tu veux tirer dessus, il est au sol. Hein, donc, Ah, bon d'accord, bon bah je tire pas. Je le vaporise. Donc, Jinx Class l'achève vraiment. Et... Voilà. Et en gros, le droïde il explose. Hein. Là, ah bah, dans le corps du, ça doit sonner un peu quand même. Ouais, vous avez plus d'oreilles là. Hein. Ouais. Avance. Qu'est-ce qu'il dit? Je le pousse. Et j'avance. Vous continuez donc à progresser, pour le coup. Et vous continuez dans cette conduite, vous savez pas où vous allez, hein. Vous prenez même pas le temps, en fait, de vérifier où vous allez, parce que vous êtes pressé. Je vais utiliser un nouveau point du côté obscur. Voilà, pour le coup. Non, merci. Est-ce qu'on est tombé dans les douches de Dark Vador? Non. Lorsque vous arrivez, pour le coup, effectivement, Jinx Class, tu es le premier arrivé sur place. Tu pousses la conduite tombe. Face à toi, il y a un bureau super bien organisé, avec clairement quelqu'un qui, tu vois, qui est en train de regarder à son hublot, en train d'attendre avec eh bien, son holo, clairement les informations par rapport à ce qui se passe. Cette personne... eh bien, je vais pouvoir l'afficher pour le coup. Je tire dessus. C'est le mec qui nous a interrogé. Pas du tout. Attends qu'il ait affiché l'image au moins. Attendez, calmez-vous. Ils sont complètement dingues. Feu. Écoute, Jinx Class, il a passé à peu près 2 heures sans flingue, il en peut plus là. Vous voyez donc un homme d'à peu près une quarantaine d'années, pour le coup, qui est habillé en uniforme impérial, un uniforme de commandant. Blanc et noir. Et la peau bleue. Oh, on peut. C'est Corsac, d'accord. On peut le prendre en otage pour lui poser des questions en vrai. Oui. Le truc, c'est qu'il n'est pas seul. Bah, voilà, celui-là. Il est accompagné d'une autre personne. Une personne qui fait froid dans le dos de manière générale. Et Sabam, tu as une sensation extrêmement étrange pour le coup. Oh merde. Encore une fois, tu as l'impression que c'est quelqu'un tu as pu connaître ou autre chose. Cette personne, elle est habillée d'une tenue noire complète. Elle a une capuche qui est rabattue sur sa tête, un masque qui cache son visage, une tenue caractéristique par plusieurs détails. C'est une tenue d'officier impérial d'une certaine manière, en cuir léger, très proche de son corps, ne limitant pas les mouvements, mais surtout à sa ceinture, voilà, un sabre laser avec un rond, une espèce de cercle autour. Et tu vois qu'ils sont clairement en train de tourner la tête vers vous en entendant le bruit. Je remets la grille et je dis, c'est pas les prisonniers que vous cherchez. C'est pas... Oh la tuer là. C'est lui qui a les clés. Et je vais l'afficher pour le coup. Vas-y, affiche-le. Ah, attendez, faut que je leur... Je suis désolé, j'ai beaucoup de PNJ donc... Super. Décoté. Finalement, il est où le pont? Moi, je préférais le pont. Et donc, voici à quoi ressemble cette personne, pour le coup. Est-ce que c'est la présence que je sentais? J'imagine que oui, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Okay. Oh, là, je suis là. Et cette présence extrêmement dangereuse, extrêmement puissante... qui émane, et tu vois que la main commence à se diriger progressivement vers le sabre laser et que vous entendez... Ça va, on peut discuter. Attendez. Et vous entendez le bruit caractéristique d'une lame de sabre laser s'activer, le pfff. Vous voyez la lame rouge instable commencer à crépiter. Oh merde. Et le sabre se pointe devant vous.